Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Il est souhaitable, si l'on souhaite mener à bien ces cultures, de pouvoir identifier les principaux ravageurs que l'on va rencontrer sur le potager. Cette connaissance va vous permettre de réagir rapidement face à une agression. Agir plus vite vous permettra d'agir plus facilement de manière écologique et pourquoi pas de manière préventive, avant que les problèmes n'apparaissent. Les confusions entre maladies, ravageurs, qui sont donc des causes biotiques, et les simples problèmes physiologiques, qui sont des causes abiotiques, sont fréquentes chez le jardinier amateur. Heureusement, il existe le BSV, le bulletin de santé du végétal. Alors, il s'agit d'un outil d'aide à la décision, gratuit, qui s'adresse en premier lieu aux professionnels de l'agriculture, mais qui se révèle très utile pour le jardinier amateur, désireux de limiter l'emploi des phytos ou même d'y renoncer. En étant prévenu d'une infestation possible sur votre secteur géographique, vous pouvez anticiper l'attaque et protéger les cultures sensibles à l'aide de filets anti-insectes, par exemple, ou encore en posant des pièges chromatiques, ou en pratiquant des applications de décoction naturelle selon l'agresseur que vous aurez identifié. Il est consultable sur les sites internet des chambres d'agriculture et des DRAF régionales. Pour la grande majorité des régions, il est même possible de s'inscrire pour recevoir les bulletins directement dans votre messagerie électronique. Alors dans cet exemplaire, on commence cette semaine par la salade, pour laquelle un certain nombre de ravageurs sont abordés, les chenilles, les pucerons, les alerodes, l'oïdium, le mildiou par exemple. Et vous pouvez tout de suite remarquer, d'une part dans ce petit tableau, les sites de piégeage qui concernent exclusivement des communes qui sont effectivement proches de chez moi, donc ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est les données plutôt positives qui sont écrites en vert, comme ici au sujet des chenilles, la pression reste basse. Au sujet des pucerons, les températures fraîches ne sont pas favorables à leur prolifération. Et les données, disons, un peu plus alarmantes, ou les précautions à prendre, etc., les points d'attention, sont plutôt libellés en orange. Ici, pour l'oïdium, l'oïdium n'est pas une maladie majeure sur les salades, mais elle déprécie la qualité des pieds touchés. Ou alors pour le mildiou, attention, les conditions actuelles sont favorables au développement de cette maladie. Voilà, des informations qui nous permettent, par exemple, de déclencher un traitement préventif contre le mildiou à base de bicarbonate de potassium, par exemple. Je vous disais également que c'était très très bien illustré. Vous voyez également là l'agrandissement de pucerons sur salade. Bon, le puceron, je pense que tout le monde le connaît. Mais si je passe à la page suivante, par exemple, voilà, on va trouver ici la rouille du poireau. Là encore, quelque chose d'assez facile à reconnaître. Il en est peut-être pas de même pour les maladies de taches noires, par exemple, sur le chou, sur la page de droite, par exemple, ou certains autres ennemis, alors plutôt du côté des mouches, là, en l'occurrence, avec la mouche des semis qui apparaît et qui figure là en bas à droite de cette page. Donc sont abordés dans ce document, vous voyez ensuite poireaux, céleri, choux, et puis si je passe à la page encore suivante, les endives, les oignons, un point intéressant pour la carotte, on me montre sur une carte combien de mouches de la carotte ont été piégées sur les territoires, référents de ma région, Donc en l'occurrence, zéro, tout va bien. Donc je suis rassuré sur ce point, je fais l'économie peut-être d'une précaution ou d'un traitement particulier. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce document. D'une part, vous aider à reconnaître les dégâts qui peuvent être infligés à vos cultures. Par exemple, les dégâts de cette chenille
sur le haricot ici en bas à droite sont tout à fait clairement illustrés et c'est du coup facile à identifier. Et ensuite, des conseils vous sont donnés, des indications sur le mode de vie de ces ravageurs vous sont données, et des indications aussi quant au développement, aux populations de ces ravageurs. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez ici, il y a 7 pages, avec la dernière page qui est consacrée à une invitation sur un événement. Voilà, c'est court, c'est vite parcouru, on peut très librement ne prendre que ce qui nous intéresse dedans. Personnellement, je trouve ce document très très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et vous a permis peut-être, si vous ne le connaissiez pas, de mettre la main sur un outil intéressant pour vous accompagner au potager. Je vous donne dans la description de la vidéo un certain nombre de liens, des exemples donc sur le Nord-Pas-de-Calais pour pouvoir télécharger ces bulletins de santé du végétal. Je vous donne un autre exemple pris complètement au hasard dans le Lot-et-Garonne, mais c'est possible pour toutes les régions de France, hein, je vous le rappelle. Et je vous donne également un lien vers le site qui s'appelle Jardiner Autrement, qui vous aidera vraiment à entreprendre eh bien, une lutte écologique contre les éventuels ennemis de votre potager. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.